Salut, c'est RGK et je vais vous montrer la bêta de Halo 6. Donc pour voir mon Spartiate, je peux équiper des loadouts avec deux armes. Hein. Bon, comme on est dans Halo, on peut toujours transporter que deux armes sur soi, c'est comme d'habitude. Soit certains sets prédéfinis, soit on peut customiser. Par exemple, là, j'ai le choix entre ces armes que j'ai débloquées. Assault Rifle, Plasma Rifle, Rocket Launcher, Super Shotgun, Vortex Rifle, c'est un sniper, Lightning Gun, donc c'est un peu comme dans Quake, et le Static Rifle, je suis pas sûr, je vais pas encore utiliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des modules de hack, avec genre des catégories Wallhack, catégorie Boost. Alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai montré la vie des ennemis, mettre le timer sur les pick-up, enfin les armes, les trucs, les bonus. Parce que j'ai, enfin, j'ai plusieurs fois le même. Sinon, il y a quelques trucs genre bonus d'armure ou ouais, localiser où la personne qui nous a tués se trouve. Customisation, on verra un peu plus après, mais son armure de Spartiate, on peut la modifier. Changer les couleurs, changer un petit peu le casque parmi ce qu'on débloque, etc. Donc je vais vous montrer le mode de jeu Warpath, qui est une sorte de King of the Hill qui se déplace, un peu comme le payload. Alors je vais prendre lance-roquette et shotgun. Hop. Donc c'est moi, je m'appelle Doomarine parce que en fait j'ai même pas trouvé où changer mon nom dans le jeu. Les autres ont réussi à le faire, donc ça doit être faisable quelque part, mais j'ai pas trouvé. Normalement, ça aurait dû mettre mon nom de Steam, mais peut-être qu'il y a un truc qui s'est mal passé. Donc, voilà, Doomarine. Salut! Il s'enfuit. Et ben, bon, la honte. Donc, vitesse de déplacement, qui est un sujet assez sensible sur ce Halo 6. C'est pas super rapide. C'est plus rapide que les Halo précédents, bien évidemment, mais. On n'a pas la vitesse des vieux Doom, par exemple. Mais bon, c'est pas lent non plus, en fait. Hein. C'est pas une catastrophe. Mais c'est pas super speed. Enfin, c'est celui qui m'a tué avant. Ouais, c'est un prend ça. Oups. Un peu de touche. J'ai essayé de recharger, mais en fait, il n'y a pas de touche pour recharger. Ça rassure pas mal de gens. Salut. Donc voilà, la zone à capturer, c'est une zone qui se déplace. Et on a des points au fur et à mesure. Quelqu'un ici. Oui, il a encore trouvé une arme, celui-là. Shotgun. Non, il doit me contourner par l'autre côté. Ouais. Non, c'est pas le même. Ah, go to. Quelqu'un par derrière. Les hacks. Genre le truc qui affiche la vie des ennemis. Hop, j'en ai marre. Là c'est quelque chose qui s'active quand on est mort. Il y a le choix entre donc ce que j'avais sélectionné auparavant. Demon Horn. Ah, là il faudrait que je m'en... Ah, j'ai l'impression de le charger. Parce que je jouais à Brutal Doom il y a pas longtemps et dans Brutal Doom on peut recharger. Donc voilà, je peux sélectionner parmi mes hacks. Bon, là j'ai Vital Sign. Donc c'est les ennemis là qui ont le revenant, le démon. Alors, avec mon Rocket Launcher, si vous pouvez voir, quand je tire, il y a Detonate qui est écrit. C'est parce qu'en fait, si je clique droit pendant que la roquette est en vol, je peux la faire éclater avant. Ça, c'est vraiment pas mal. En trucs qui sont pas mal, il y a aussi le saut que je passe à ça. J'aime vraiment le saut. Non, je vais pas pouvoir montrer grand chose là, je me fais pourchasser. Ouais, les démons sont vraiment OP. Donc on peut s'accrocher aux parois. Voilà, comme ça. Ça, je me rends beaucoup. C'est vraiment une petite touche qui fait que ça fait un jeu moderne. Pas les jeux du passé où on se bloquait au pixel près quand on était contre une paroi. Le shotgun. Il vient pas ici. Non, mais... Je sais pas comment se chasser, non. Donc il y a des pick-up pour la santé et les munitions. Et bonus d'armure. Donc bon, simple.
Les munitions sont pour toutes les armes, il n'y en a que deux sur toi. Alors, je vais essayer d'aller là-haut. Hop, non, je saute. Voilà, super armure. Et ici spawn la seule arme qu'on peut ramasser. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre pour moi? Bon, c'est pour la vidéo, allez, hop. Je vais attendre là. C'est un Ghost Rifle, super puissant. Hop, 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 hop. J'aurais dû prendre le hack qui montre le temps de spawn. Alors, oups, je me fais attaquer. Par en haut. Bon, très malin. Est-ce que ça vaut le coup de revenir là où j'attendais pour vous montrer l'arme? Là, y'a pas, c'est pour la vidéo. Donc, avec un combat, il perd un petit bout d'arme. Hop. Oui, je vais vous montrer aussi, quand on se baisse, c'est loqué. Là, j'ai arrêté d'appuyer sur la touche et ça reste baissé. Je rappuie sur la touche pour remonter. Ouais. Pas de... pour un jeu qui est censé être rapide. Bon, ça spawn pas un truc ici. Trop long. Je m'en fous. Ah, c'est un ennemi, il est juste à côté de moi, super. Bon. S'il y a un joueur de leur équipe meurt avec la rue de démon, un autre peut ramasser derrière. Cripple fight. Ah non, non, maintenant il y a le démon qui m'attaque. Donc, en changement par rapport au précédent halo, il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de véhicule. Non, j'espère que je t'entends le tuer. Donc ça va être l'occasion de voir quelque chose d'assez ignoble. Ok, ok, oui, oui, très bien. Passons, passons. Oui, très intéressant. Donc, ce qui est ignoble, c'est ce qui va apparaître juste à l'instant. Maintenant, dans quelques secondes, peut-être, pourquoi pas, éventuellement. Voilà. Non. Bon, alors là j'ai reçu des modules là, éradés, des points d'expérience, des points d'expérience pour unlocker les armes. Et pour unlocker aussi des armes, des bouts d'armure, des trucs comme ça, bouts d'armure, etc. Pourquoi pas. Mais unlocker, par exemple, l'arme que j'avais montré à la fin, Static Rifle, c'est pas. Voilà, niveau 9, bon, c'est pas très loin, mais quand même, enfin. Ça fait un peu bizarre pour ce genre de jeu. Donc, customisation, on peut customiser ses armes et assez finement. Alors, je vais changer hop, la couleur, machin. Je vais garder par défaut donc pour l'instant. On peut customiser son personnage et débloquer au fur et à mesure des nouveaux casques. Ceux-là sont assez similaires les uns des autres. On peut changer ses couleurs. Hop. Pas mal de customisation possible. Différentes teintes. Hop. Alors, mais hack module, je vais voir ce que j'ai. Power Seeker, ouais, c'est ce track the nearest power pour pouvoir. Donc, c'est ça que j'aurais dû avoir pour voir quand c'est ce que réapparaissait le Ghost Rifle. Ouais, bon, pas. Je vais passer. Donc, maintenant, ça va être la deuxième map dispo dans la bêta de Team Deathmatch. Avec ça, je lance. Donc, que dire d'autre? Que dire d'autre? Bah, c'est pas franchement folichon. Je sais pas. Je m'amuse plus dans Unreal Tournament. Alors, si j'essaye de réfléchir pourquoi. Team Deathmatch. En fait, je saurais pas quoi dire. Faudrait que j'y réfléchisse pas en vidéo. Bah déjà le fait d'avoir que deux armes, ça limite pas mal. La vitesse, un peu bizarre. Par contre, j'aime beaucoup le double saut et s'accrocher aux parois, non pas celle-là.
Les démons, c'est assez sympa. Un peu trop puissant. Ça serait mieux si c'était vraiment possible. Plus facile de. Hop, attendez. Plus facile de d'échapper aux démons et de l'esquiver dans tous les sens. Power seeker activated. Hop. Blady Corps sont. Ok. Hop. Il va y avoir une ruine de démons dans 1 minute. Bon, je peux pas attendre 1 minute ici. Ouais, les niveaux. Ouais, ça peut être sympa. Je pense pour le solo en multijoueur, on fait pas trop attention aux petits détails, mais j'ai pas l'impression que. Qui est vraiment des décors super mémorables comme dans le thé. Là, il faut que je récupère de la vie. Donc la vie ne remonte pas toute seule. Hein. Ça c'est. C'est bon à savoir pour ce genre de jeu. Oui, il y a un temps limité sur les modules de hack. Incoming demon rune. C'est quoi ça? C'est un téléporteur, ouais. Demon rune spawned. Je crois que la rune aurait dû être. Non, j'entends aussi que ça allait. Donc là, cette fois-ci, c'est un allié. Donc, s'il se fait tuer avec la rune, s'il passe trop de temps sans rien faire, il me semble, elle se fait transmettre à quelqu'un d'autre. Bon. Voilà, le démon. Faudrait pas que je reste là où l'autre joueur tire. Sniper là-bas, je crois. J'essaie de lui faire exploser la roquette au-dessus de sa tête. Ah oui, je devrais essayer un glory kill dans les. Donc il y a des coups de mêlée comme dans Halo. Qu'est-ce que je prends? Allez, on va montrer l'envie. C'est parti. Donc voilà, coup de mêlée. Comme dans tout bon Halo. Oh, c'est un ennemi qui a pris le machin. Dans le jeu final, il y aura un peu plus de types de démons possibles à sélectionner. En ce moment, c'est surtout le rondeur. Donc, en cours de. Enfin, quand on est mort, on peut changer son loadout. Au moins, on n'est pas coincé. On n'est pas coincé toute la partie avec un seul loadout. Mais quand même. Doom. Ah, c'est là-bas. Ouais, ça, c'est quand même. Bizarre d'avoir que des armes, j'aime pas trop. En fait, je trouve pas les maps. Enfin, je sais pas, c'est un peu plus ou moins des couloirs avec des. Bon, c'est aussi juste que ben, j'ai commencé la bêta il y a pas longtemps donc je connais pas encore assez bien les maps, mais tout se ressemble, c'est un peu difficile de s'orienter. Ah oui, mais les kills, voilà. Donc, voilà, comme dans tous les bons jeux console, les tirs de mêlée, ça fait très très mal. Parce que bien sûr, c'est pas facile à faire à la manette, donc. Hop, quelqu'un derrière moi. Oupsie. Bon, par contre, quand on vise bien les. Ah, ça c'est pour moi, c'est pour moi. Allez, allez, allez. Yes. Je termine ma phrase plus tard, éventuellement. Alors, j'ai un timer en bas. Ah oui, je sais un des trucs que j'allais dire que j'aime pas du tout, c'est que le HUD est vraiment plein de lumière, d'icônes, etc. Il n'y a pas personne qui veut se battre contre moi. Ah, salut!
Je peux pas faire de tir de mêlée. Mon lance-roquette, c'est pas forcément nécessaire. Quelqu'un peut me tirer dessus là. J'ai un jetpack. Allez. Qui ose me tirer dessus? One shot, one kill, alors c'est pas. C'est un peu OP quoi. Un peu comme le mode Elite, je crois. Hop, hop, time's up. Supply timer activated. Alors, il fallait que je termine ma phrase d'avant. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ça va peut-être me revenir. Ah oui, j'ai des grenades aussi, c'est pas ce que je voulais dire, mais en tout cas, j'ai des grenades. Une, deux. Allez, on va voir ça. Tiens, prends ça. Ok. Oups. Supply timer activated. Allez, on va retenter la grenade. Hop. Boum. J'en ai qu'une, voilà, je peux réussir à en tirer une deuxième. Oui, donc je veux dire. Ça touche quand même pas trop mal. C'est relativement violent, hein, c'est pas raté au niveau des sensations, à part le shotgun qui pourrait être un petit peu mieux, mais j'imagine que sur les monstres ce sera un peu plus cool que ça. Spawn. Salut. On ne même pas. Un peu de santé, hop. Ouais, c'est plein d'icônes de. Oups, il est avec moi. Ouais. De choses dans mon écran qui m'empêchent de vraiment bien lire l'action. Salut. Se tue par le démon. On sait qu'il est passé celui-là. Sinon, le jeu tourne super bien. Hein. Comme un charme. Super bien optimisé pour une bêta, mais bon, c'est le genre de bêta où. Bon, en fait, c'est le jeu final en démo, j'imagine. C'est pas tué par quelqu'un d'autre ou quoi? Donc, je vais peut-être juste vous montrer d'autres armes dans la prochaine partie, ouais. Genre le sniper. Enfin, je comprends pas spécialement l'intérêt de mettre l'accent sur le multijoueur pour Doom. Je sais pas. Il n'a pas vraiment de trucs qui se démarquent. Bon, les démons un peu, mais si on veut Doom, c'est pour le solo. Donc j'imagine que ouais, la bêta c'est pour intéresser les gens. Et, voilà, j'ai débloqué le static rifle. Bon, on va essayer ça. Alors, loadout. Alors, je vais faire un custom avec le sniper et le static rifle. Alors, il y aura une grenade de siphon. Qui est vol de la vie. Je l'ai déjà débloqué, ouais, bon voilà. Et sinon, il y a la grenade que j'avais et un petit téléporteur, on peut le placer et se re-téléporter. Donc voilà, on va y aller avec ça pour l'instant, et puis après, je vous montrerai peut-être les autres. Ouais, les autres armes, ouais, ça me paraît une bonne idée. Hop. Alors, mes modules de hack, qu'est-ce que j'ai ici? Sundry, ouais. Timer, je m'intéresse pas trop. Bounty, c'est plus d'expérience pour les kills. Bah, l'expérience, on a envie de monter un niveau, hein, donc pourquoi pas. Un peu plus d'armure quand on respawn. J'en ai pas. En fait, il faut que ça drop à la fin d'une partie pour le récupérer.
Bon. J'aime pas. Je peux pas changer mon nom. J'imagine que ça s'est trompé avec mon nom de Steam parce que quand j'ai lancé le jeu au niveau des logos, ça a ramé énormément. La première fois, après, les fois d'après, ça allait très bien. Donc là, on se retrouve de nouveau en mode domination. Hop, les connecteurs. La zone à capturer. Non, mais on sent qu'il y a des efforts avec bah, les démons, avec la zone qui se déplace, etc. On sent qu'ils ont essayé d'injecter un petit peu de nouveauté dans ce mode. Ouais, c'est ça que je veux choisir. Mais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu les maps qui sont pas très. Pas très clair. Ça viendra peut-être en les connaissant, mais. Oh, salut. Alors, qu'est-ce que c'est que cette arme? Oui, il faudrait peut-être que j'essaie mes armes. Je veux pas utiliser ces machins. Alors, ça, c'est quoi là? Ça, c'est le bon sniper. Non, je sais qu'il n'y a pas de suite à mon ami. Et ça. Fusil statique, ok. Ah, j'ai l'impression qu'il faut laisser charger un moment pour que ça fasse très mal. Bon, on va voir. Salut, 62 dégâts. Ok. Ah oui, je vais peut-être lui tirer une grenade, tiens. Non, pas de plus. Ok, donc 62 dégâts après chargé. Donc je vais essayer sans charger. Si je me trompe, je touche grenade. Ne pas charger, ne pas charger. Voilà, je capture la zone. Quelqu'un doit m'attaquer. Salut, 51. Donc effectivement ça doit avoir un lien avec le temps qu'on veut se charger. Et ça c'est le sniper. Bon, on récupère de la vie. Ouais, il y en a derrière. Alors, signe vicieux, supply bounty, allez bounty, plus d'expérience. Ça paye pas de mine. Ok. Je vais charger cette arme. Donc, on peut voir sur le HUD le truc du démon dans 5 minutes. Là, j'aurais dû faire pas attention. Et je vais faire un truc de mêlée. Ah, c'est que le finish en fait qui fait l'animation où il enlève la tête, un truc comme ça. Avant, c'est quelques coups qui font des dégâts. Je suis curieux de savoir combien de dégâts je vais essayer de. Donner des coups à quelqu'un juste pour voir le nombre. Allez, on prend l'arme qui se charge. Capturing zone. Y aurait-il quelqu'un que je peux tâtonner sur le bas de la nuque gentiment? Quelqu'un m'a tiré dessus. Ah, là, il y a eu des bombes. Capturing zone. Allied revenant spawn. Secured zone. Allez, celui-là, on va le tâtonner. Hop. Non, bah ça l'a complètement tué. Donc j'avais peut-être manqué mes coups d'avant. Demon possession ended. Ah, plus de démons. Le timer fini. Personne qui vient nous piquer notre zone, non? Ah oui, que je balance une grenade. Je l'ai manqué. Ok, 32 dégâts pour le sniper. On part en dégâts, il faut que je soigne. Ouais, ça c'est machin à la prof. À moi. Ah, il est en haut. Vital signs activated. Ouais, avec ce truc de hack, j'ai pas envie de les activer. Allez, je vais le tâtonner gentiment. 35 de dégâts. Et voilà, le coup final. Ok, bon à savoir. Supply
timer bounty. Hop. Ouais, il faut aussi que je change pour montrer là ce rifle, lightning gun, un truc comme ça. Allez, on prend cette arme. Alors, faut que je montre là où il doit y avoir un bounce pad. Quelqu'un en train de me faire très mal de par là. Alors, loadout. Je peux pas changer. Ah non, c'est entre les menus qu'il faut changer. Bon, alors là, assaut. Voilà. Assaut, j'ai le fusil d'assaut. Et. On va l'activer. Voilà. 50 points remaining. Enemy demon slain. Allied revenant. Allez, je vais tuer avant qu'il récupère. Halfway to defeat. Hop. Capturing zone. Secured zone. Ah, c'est pour moi. Six de dégâts. Enfin, un peu plus de temps. Ah, j'essaie d'avoir mieux. Bounty activated. J'aime bien le lance-roquette. La possibilité de pouvoir faire exploser en plein vol. Ouais, ça fait partie des modernités bienvenues. Bah, il y a quand même une assez bonne finition. Des petits détails assez sympas. C'est juste que ça fait trop penser à. Allez. Oups, non. Allez, on retourne sur la rifle. Ouais, c'est vraiment pas mon genre ces armes. Sur lequel c'était mieux. 10 points pour Gryffondor. Hop. Ah, ça va être l'occasion de faire un loadout avec d'autres armes. Je sais pas, enfin, je me verrais pas passer énormément de temps sur ce jeu. C'est pas mauvais, mais c'est juste que. Je sais pas, c'est pas. Bon, à vrai dire, les arena shooters, c'est un petit peu passé de mode, quoi. Il y a des trucs plus complexes et intéressants, comme tous les modes avec des objectifs à capturer, ce genre de choses, avec. Où il y a vraiment, on sent une ligne de front, avec différentes classes de personnages, un peu. C'est maintenant ce qui marche, quoi. Je continue de jouer à Entertainment, mais moi je suis plutôt du genre à jouer en Instagame plutôt qu'avec les armes classiques et Capture the Flag. Retournons le lobby pour changer le loadout. Alors. Qu'est-ce que je n'ai pas montré? Donc, Plasma Rifle, ça a été montré. Lightning Gun, ça n'a pas été montré. Et. Assault Rifle. Et le téléporteur. Sinon, dans les options, pour changer la sensibilité, si baisser, sauter, etc. Alors, feu, attaque secondaire. Ah, le démon a une attaque secondaire, je crois que c'est ça. Donc, mêlée, changer d'arme. Alors, vu qu'il n'y a qu'une seule arme, il n'y a pas de haut ou bas, c'est vraiment juste un bouton pour changer. Équipement, chat, enfin, pour une raison que j'ignore, j'ai pas réussi à changer cette touche. Ah. Je veux la mettre sur Y, mais ça marche pas. Push the talk. Vidéo. Il y a pas grand chose. Mais le jeu est super bien optimisé, donc j'ai pas eu à. Je peux quitter le lobby. Donc j'ai pas eu à modifie les options, quoi que ce soit, pour que ça tourne bien. C'est vraiment super bien optimisé, mais j'ai l'impression que c'est le cas avec la plupart des moteurs de ID Software, que l'optimisation est toujours au poil. Après, ils attendaient comment, en fait. Allez. Donc là, on retourne sur Warpath, avec l'objectif à capturer.
Oui, que de map en ce moment, mais bon, c'est une bêta. Franchement, je sais pas si augmenter la vitesse, ça serait vital. Enfin, ça se joue quand même pas trop mal avec la vitesse qu'il y a. C'est surtout pour le solo qu'on s'inquiète, je dirais. Hop. Ah oui, on peut pas choisir ses serveurs, c'est du système de lobby. Alors là, c'est quoi cette arme? Lightning et Assault Rifle. Je sens que je vais pas aimer, je déteste ce genre d'arme. Je préfère les armes qui font très mal et qui font pas beaucoup de tirs pour tuer les gars. Hop. Bah, c'est déjà un petit peu mieux que le Plasma Rifle. Alors, qu'est-ce que j'ai comme pouvoir, c'est que... On peut tout, ça peut être un mort bounty, allez-y, pour bounty. Alors maintenant, je vais tester le lightning gun. Je comprends pas trop ces flèches-là, ça c'est peut-être le trajet de la zone à capturer, mais on s'en fiche, on veut juste l'icône qui montre où est la zone. C'est pas trop intéressant là pour le moment de savoir où elle va, peut-être pour une embuscade, mais... Mais ça fait des trucs en plus qui sont dans les pans. Oups, je vais juste apparaître. Ça fait des trucs en plus dans l'écran qui couvrent l'action. Personne pour défendre. Hop. Voilà. J'aimerais bien voir les dégâts que ça fait cette arme. 8 par tir. Ouais. Termine le corps à corps. Oh bon, non. Il y avait le shotgun. Il y en a derrière moi. Ok, celui-là il est tendu. Ah oui, la rune de démon, il me la faut, je sais pas où elle est. Ok, c'est eux qui l'ont. Je m'en vais. Non. On me laisse pas m'en aller. Au moins, ils sont pas en train d'essayer de capturer la zone. Déjà, waouh, bien joué, celui qui est avec moi. Alors, je vais essayer de récupérer la rune. Oups. Allez, corps à corps contre le démon. Alors, rune de l'autre côté, mais j'entends le démon pas trop loin. C'est mignon comme tout, dites-moi. Oups. Ah, ils sont 3 maintenant. 3 contre 2, c'est ça? 3 contre 3. Power seeker activated. Demon possession ended. Capturing zone. Secured zone. Allez, je vais me téléporter derrière lui, hop, comme ça. Et je me suis fait tuer pendant que j'étais en train de faire le blocking. Power seeker activated. Glorious. Franchement, les glory kills, j'ai pas de problème avec parce que c'est la même chose que. Combien de temps à attendre? 90 secondes. Ouais, j'ai pas de problème avec les glory kills. Parce que c'est vraiment un choix de faire un tir de mêlée sur quelqu'un qui a peu de vie. Quoi que non, en fait. Je choisis pas si ça fait l'animation ou pas. Ouais, en fait c'est un petit peu embêtant. Mais bon, ça prend pas 5 secondes, c'est pas comme dans Alien vs Predator. Ah, shotgun. Donc, je vais reprendre mon loadout préféré, rocket launcher et shotgun. Ouais, ça peut être trop pas. J'ai que ça. Demon room spawned.
J'espère qu'elle est derrière moi. Ah non. Bon, c'est pas moi qui ai la rune. Comment vous mort? Ah, une grenade. Supply timer activated. Zone lost. Qui c'est qui a le démonci? Eux. C'est eux. Capturing zone. Ouais. Hop. Galère. Moi je m'attaque le démon. Supply timer activated. Je vais essayer de faire le tour. Oh putain. Ça va me prendre. C'est pas bon. On est en train d'avancer vers nous. Allez, cette fois-ci, je prends la rune. Oui. Non. Non. Encore une fois, juste devant moi. Ah, il m'a mis le coup de munitions que j'ai tué et t'es grenade. Je vais terminer celui que. Ah, mais non, je vais terminer aussi. Okay. Ah non, c'est un assist. Supply timer activated. Capturing zone. Ouais, je sens que je parle plus trop beaucoup, je suis en train de passer en mode un peu léthargique. Petit plan pour le défendre. Enemy reached score limit. Ah, il y a un qui crushing defeat. Pour en défendre. Ah oui, c'est parce que dans cette zone capture. Donc voilà, c'était Halo 6 ou Doom 4. Ils n'ont pas voulu mettre 4 dans le titre, je sais pas pourquoi. Au bout d'un moment, on l'appellera Doom 2016. Donc ils ont pu directement mettre ça sur la boîte plutôt que d'essayer de rendre tout le monde confus en prenant le nom du jeu légendaire Doom. Donc voilà, c'était Doom qui. Je sais pas, ça m'a pas trop convaincu, mais j'espère que la limite de deux armes sera pas dans le solo, parce que là, oh, ça serait vraiment problématique. En attendant, tu vois, c'est pas nul, c'est pas indispensable. Je préférerais tester le solo. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez une meilleure idée de comment Doom se joue. Salut !